On n'a pas joué de la bonne manière, on avait un peu la tête à l'envers. On a joué les uns à côté des autres et au final, bah, on s'est fait attraper. Ouais, j'ai couru après le score quasiment tout le match, hein. C'était pas simple, pas beaucoup de solutions, c'était pas une belle soirée en quelque sorte. On n'a pas joué notre basket, on joue les uns à côté des autres et au final, bah, on voit le résultat que ça donne et du coup, bah, on redevient une équipe entre guillemets lambda. Qu'est-ce qui explique ce coup de mou, ce coup d'arrêt là? Je sais pas, peut-être inconsciemment, c'est vu trop beau. Je sais pas, mais au final, ça va peut-être nous faire du bien d'en prendre une et de repartir de l'avant. L'adversaire a été bien aussi, hein. C'est un bel Oui, adversaire. c'est une bien belle équipe ce soir. Ils ont été supérieurs à nous, il n'y a rien à dire. Ils méritent largement leur victoire. Ouais, c'est pas une défaite gênante. Enfin bon, il n'y a pas le feu à la maison. De toute façon, il fallait que ça arrive quelque part aussi, non? Il n'y a pas le feu à la maison, mais de perdre, c'est toujours embêtant. Après, on est dans nos entre guillemets objectifs, on veut essayer de se qualifier pour les playoffs et donc y a pas le feu à la maison, non. Ah, vous êtes deuxième du championnat, hein? Oui, mais bon, faut pas regarder le classement, faut jouer les matchs les uns après les autres et on verra à la fin du championnat où on est classé. Ce soir, au-delà de la défaite, il n'y a pas eu trop de réactions collectives. Est-ce que c'est dû au pressing de Roanne ou que vous étiez un petit peu moins bien ce soir? Pas très en réussite, des shoots précipités. Un peu des deux. Rouen, ils ont bien défendu. Et nous, comme on ne trouvait pas de solution, on jouait les uns à côté des autres. Et entre guillemets, peut-être que chacun voulait jouer un peu le héros. Et du coup, on faisait plus forcément de passes, on jouait plus en équipe. Comme tu disais tout à l'heure, c'est peut-être un mal pour un bien. Mmh, Ça c'est un remet mal les pour un choses à bien, leur comme place. ça. Ouais. Ça va nous remettre la tête à l'endroit. Merci, Flo. Merci. Merci.